Ma Mission TV, le miroir du monde. La personne avec qui tu vis aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne personne? Commence d'abord par voir les conversations que vous avez tous les jours. Est-ce que quand vous discutez, est-ce que ça t'arrive de sourire? Parce que la bonne personne dans ta vie te fait sourire même quand tu es fâché. La bonne personne dans ta vie, tu peux la voir même quand les yeux sont fermés. Tu peux la décider même quand les yeux sont fermés. La bonne personne dans ta vie, tu peux aller la voir même quand il pleut, même quand tu as l'embouteillage, même la nuit, même le matin. La bonne personne, tu n'as pas de raison pour la voir. La bonne personne, tu as tout de suite envie de lui raconter ce qui s'est passé le matin. La bonne personne, c'est que quand il ne t'appelle pas la journée, tu as comme l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Tu as besoin de le rencontrer. Et la bonne personne, tu as comme l'impression, quand il te donne beaucoup plus de cadeaux, ça commence à t'étouffer. La bonne personne est celui qui te dit, et celle qui te dit, on va aller en boîte, on va aller dépenser 15 000 dollars, 10 000 dollars, ou 1 000 dollars, ou 200 dollars. Tu lui dis non. Voilà que chez toi, j'ai vu que tu n'as pas de chaise. Au lieu d'aller dilapider de l'argent là-bas, achète les chaises chez toi. La bonne personne est celui qui dit à sa femme, ma chérie, j'ai vu que tu as une belle robe, mais je veux que tu en aies encore deux ou trois. Je t'aide à acheter une robe. La bonne personne est la personne qui te dit, ma soeur, tu as fait des études, mais tu t'es arrêté à école primaire ou tu t'es arrêté dans l'humanité. Je veux que tu ailles plus loin. Si tu n'as pas de moyens, je peux t'aider. Voilà la bonne personne. La bonne personne dans ta vie n'est pas une personne qui est jalouse de toi. Nous avons vu des hommes qui sont jaloux des femmes. Il ne veut pas que sa femme prospère. Il ne veut pas que sa femme aille plus, aille de l'avant. Quand sa femme était en train de travailler, l'homme critique sa femme avec des critiques vraiment acerbes. Il dit, mais Michel Abina, papa, moi, les foutre à la communauté. On ne travaille pas que pour gagner de l'argent. On travaille pour s'épanouir d'abord. On travaille pour faire un réseau. Mais maintenant, quand ta femme critique généralement ton travail, le mari critique ton travail, il a peur de ton groupe, de ton groupe social. Comment voulez-vous que ce soit une bonne personne pour vous? La bonne personne n'insulte pas ta famille. La bonne personne, quand tu as un problème, il n'insulte pas, elle n'insulte pas ta famille. Mais voyez-vous déjà aujourd'hui, une petite discussion, tu es mal éduqué quoi. Je ne sais pas comment ton père t'a éduqué, je ne sais pas où tu as pris de ces choses. C'est certainement chez ta mère. Non, la bonne personne a des limites. La bonne personne ne te fait pas pleurer. Mais la bonne personne non plus ne te flatte pas. La bonne personne est celle qui te dit, ma chérie, ici tu as tort. Mon amour, ici tu as tort. Vous savez mes frères, quand vous avez une bonne fiancée, c'est la fiancée à qui tu racontes tout. Tu dis, mon amour, voilà ce qui s'est passé au boulot. Voilà ce que moi j'avais dit. Et elle te regarde dans les yeux. Elle te dit, mon amour, je t'aime beaucoup, mais là, tu as tort. Ma Mission TV, le miroir du monde. Homo Forti, c'est lui qui a. Chers internautes, c'est un honneur de vous retrouver. Merci beaucoup. Je suis Maître Christian Bossembe, avocat, journaliste et puis conférencier ici à Kinshasa. Aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on discute autour d'un thème qui va peut-être intéresser beaucoup de personnes. La question fondamentale, c'est de savoir, est-ce la bonne personne? Vous ne vous êtes jamais posé cette question de savoir si la personne avec qui vous vivez est la bonne. Généralement, nous sommes dans une posture d'accuser les autres, dire que les autres sont mauvais et c'est nous qui sommes bons. Vous avez toujours tendance à dire que les autres sont méchants, c'est vous qui êtes toujours bien. Mais est-ce que vous êtes déjà posé la question, est-ce que c'est la bonne personne? Mais cette question, elle est vraie. C'est vrai qu'elle sort de vous, mais elle peut aussi rentrer à l'intérieur de vous-même, revenir à vous-même, cette question-là. Parce qu'il est inadmissible de croire que nous vivons dans un monde où Satan est là, et puis d'un autre côté, Dieu est là. Non, sur terre, ici, sur terre, il n'y a pas Satan, il n'y a pas Dieu. Sur terre, ici, il y a des hommes. Nous vivons ici. Et puis, il y a des esprits hybrides qui peuvent venir comme vous voulez. Mais d'abord, ici sur Terre, nous avons les hommes et nous avons les femmes. Les hommes qui prennent des responsabilités de devenir bien ou de devenir mauvais. Des femmes aussi qui prennent des décisions de devenir bien ou de devenir mauvaise. Mais écoutez, quand on dit prendre une décision de devenir mauvais ou bien, ce n'est pas une décision implicite. Ça peut être tacite. De quoi je parle aujourd'hui? En Lingala, on dit... Mais les autres, comment ils te voient? Dans ton parcours, qu'est-ce que tu as subi comme modification? Qu'est-ce que tu as subi comme transformation? On ne peut donner de l'amour que lorsqu'on a de l'amour. Tu ne peux pas donner de l'amour si tu n'en as pas. Il faut d'abord avoir de l'amour pour donner. Et comment on fait pour avoir de l'amour? Il faut avoir vécu dans un environnement qui t'a conféré de l'amour. Les gens généralement qui font mal aux autres sont généralement des personnes dépourvues d'amour, des personnes qui n'ont pas rencontré l'amour, des personnes qui n'ont pas été aimées.
et à leur tour, ils ne peuvent pas donner. C'est ainsi que vous trouverez un homme qui donne tout à une femme, mais la femme ne donne pas. Et cet homme s'étonne. Il dit, mais est-ce que tu m'aimes ou tu ne m'aimes pas? Non, cette femme est en position de vous aimer, mais elle ne sait pas s'y prendre. Elle n'en a pas au fait. Elle n'en a pas. Comment a-t-elle été élevée? Comment a-t-elle été éduquée? Quel est l'amour qu'elle a reçu de ses parents? Est-ce qu'elle a été une femme abîmée? Est-ce qu'elle a été une femme dévalorisée? Est-ce qu'elle a été une femme opprimée? Il y a des personnes qui ont grandi dans une famille où on leur a dit toujours non, 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 non. Et pour avoir des choses, il fallait qu'elles prennent ça par force. Et des femmes pareilles, qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent avec vous? Parce qu'elles-mêmes n'ont rien. C'est dans les fiançailles maintenant, c'est dans la vie de tout le jour que vous vous rendez compte, vous avez le choix. Soit de réparer ce qui a été cassé dans le temps, ou de laisser tomber et partir, faire votre vie. C'est là le problème aujourd'hui. Il y a des gens qui tombent dans l'illusion de n'a qu'au changer et lobby, n'a qu'au changer et n'a qu'au changer et. Mais en réalité, tu n'arrives pas à changer la personne. Parce que pour changer la personne, tu dois d'abord rentrer dans revenir au niveau de la personne. Pour lui faire comprendre certaines choses. Je vous donne deux cas. Simple. Vous avez une fille capricieuse, élevée par son père, elle avait tout. Tout ce qu'elle voulait, son père le lui donnait. Elle ne pouvait rien faire sans son père. Maintenant qu'elle va tomber sur un homme, lui et un homme qui a vécu en Djili ou en Ngaba ou je ne sais pas moi, dans des quartiers chauds de Kinshasa, avec l'idée « Litiété, Liliété ». Vous connaissez l'adage qui veut dire « Opécité, Okoliaté ». Un homme qui n'a pas été élevé par amour, par protection. C'est-à-dire cet homme, c'était genre « Otchete, 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 Otchete ». Alors quand il vient dans une vie, il rencontre une femme qui a été surprotégée. À chaque fois qu'il voulait lever son pied, son père venait pour dire « Non, tiens le bukolono, ah, tiens le bukolono, ah. » Voyez-vous, cette femme va se retrouver dans une situation d'un homme qui n'est pas en train de cette logique-là. Qu'est-ce que la femme dira? Cet homme n'est pas, il est sans foutiste. Cet homme n'a pas un cœur, il ne sait pas aimer. Non, c'est pas que le gars ne sait pas aimer, c'est que le gars n'est pas fait pour aimer. Il vit selon qu'il a été élevé toute sa vie. Parce que tous les comportements que nous avons, ces comportements ont une source. Et où tu as avant passé un abus sur la colère, les émotions, les énergies que nous avons viennent d'un endroit quelconque. Que voulez-vous d'une femme qui a été, je prends une femme qui a été engrossée par un homme méchamment et on la laisse tomber. Elle avait que 16 ans. Quand elle trouve son homme, le gars lui trompe et tout, elle tombe enceinte et le gars fouille après. Le gars disparaît. Et toi, tu viens bonnement, tu rencontres cette femme-là. Tu veux l'épouser. Mais la première question, la femme se dit, qu'est-ce qui me prouve qu'il ne partira pas comme l'ancien? Et à chaque fois que tu dis à cette femme que je t'aime, dans cette femme-là, la tête, dans sa tête tourne. Je peux te tromper, je peux te tromper, je peux te tromper. Parce qu'elle est dans un environnement du doute. Elle se dit, qu'est-ce qui me prouve que cet homme va faire de bien pour moi? Donc vous vous rendez compte que déjà le problème vient de très loin. Et parce que le problème vient de très loin, avant de vous engager avec une personne, vous devez d'abord connaître, comme je l'ai toujours dit, vous devez d'abord apprendre à connaître la personne. Et quand vous passez plus de temps à copuler, à ne parler que du sexe, comment vous allez prendre le temps de discuter sur les vraies questions de votre vie? Comment vous allez passer le temps de vous connaître profondément? Vous ne vous connaîtrez pas profondément simplement parce que vous n'avez pas le temps à ça. Et quand vous allez vous marier avec une personne pareille, sa vraie nature sera au grand jour. Et c'est en ce moment-là exactement que vous commencerez à pleurer. Vous serez là en train de dire « Monsieur Nabalaka, Nami Kosaki ». Non, tu ne t'es pas trompé. C'était toi-même la tromperie. C'était toi l'erreur de ta vie. Donc, la personne que vous avez, est-ce la bonne personne? Vous savez, mesdames et messieurs, je veux vous dire une chose. La bonne personne dans votre vie, c'est cette personne qui vient embellir votre vie. C'est cette personne qui vient embellir la vie, améliorer votre vie, vous aider à grandir un peu. Parce que nous avons toujours un petit enfant en nous qui est égoïste, qui ne pense qu'à soi. Mais quand vous rencontrez la bonne personne vous dit « Hey, monsieur, vous n'êtes pas seul, il y a moi aussi ». La bonne personne vous dit, madame, vous n'êtes pas seul, il y a moi aussi. Une personne qui rentre dans ta logique. Comment tu peux t'imaginer, tonton? Tu travailles, tu es informaticien, tu es journaliste, tu es caméraman, tu es, je ne sais pas moi, avocat. Mais ton partenaire ne connaît rien de ce que tu fais. Rien. C'est-à-dire, elle ne s'intéresse à rien de ce que tu fais. Tout ce qu'elle aime dans toi, c'est ton argent ou ton corps. Quand tu es dispo, elle est dispo aussi. Quand tu lui proposes de faire l'amour, vous le faites. Quand tu lui donnes de l'argent, elle prend. Mais elle ne sait pas ce que tu fais. Le jour où tu as un problème, le jour où tu es pris dans les émotions, dans le doute, comment elle va t'aider si elle ne connaît pas ce que tu fais? Que ce drôle des amours aujourd'hui, que les gens ne partagent absolument rien. Moi j'aime le Barça, elle aime le Real. Moi j'aime le football, elle aime le basketball. On n'a rien en commun. Mais écoutez, quand vous n'avez rien en commun, comment vous partagez la vie? Comment vous discutez? Comment dans une relation vous n'avez que le corps en commun? Il n'y a rien d'autre en commun.
Vous aimez la politique, elle n'aime pas la politique. Vous aimez le feu, elle aime le froid. Vous aimez la chaleur, elle aime le froid. Eux, vous ne vous entendez pas. Vous aimez les émissions, elle aime les films. Quand vous aimez les films, elle, ce sont les émissions qu'elle aime. Mais même quand vous avez une télévision, qu'est-ce que vous allez regarder en fait? Comment vous allez regarder? Elle aime les promenades. Toi, tu n'aimes pas les promenades. Maintenant, vous allez aller où? Elle déteste la maison, toi tu aimes les promenades. Voyez-vous les incompatibilités déjà des bases? Ce sont des choses, quand vous remarquez ça dans votre relation, mesdames et messieurs, arrêtez-vous un peu, un moment, et dites-vous que ce n'est pas la bonne personne encore. Dans la vie, vous devez choisir. Est-ce que je rencontre mon amour ou je m'arrête un peu là? Je vois des relations se tuer aujourd'hui. Je vois des gens ne pas aller plus loin. Et puis les gens s'étonnent. Babi Bolingo Nabiso Nicolas Salaka 2 ans, 3 ans et Kaboani Nango. Mais comment voulez-vous qu'une relation avance si vous n'avez pas de points communs? Qu'est-ce que vous partagez en commun? Vous allez vous rendre compte que vous ne partagez rien. Vous pouvez vous marier aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que certains mariés ne passent pas du temps ensemble? Vous les accusez, n'est-ce pas? Ils ne passent pas de temps ensemble. Mais attendez, 2 secondes. Arrêtons-nous un peu. S'ils passent le temps avec toi, vous discuterez de quoi? Vous parlerez de quoi? Quel sera le thème de votre débat? Vous discuterez sur quoi? Qu'est-ce qui vous met en sort pour communiquer? Voilà pourquoi l'homme ne se retrouve pas en toi, la femme ne se retrouve pas en l'homme, et vous avez trouvé un bon moment, c'est de vous séparer. Et vous sortez le matin, vous rentrez à minuit. Parce que même si vous restez ensemble, vous allez parler de quoi? Vous aimez les enfants, lui il n'aime pas les enfants. Vous aimez les cris des enfants, il n'aime pas les cris des enfants. Alors dites-moi, vous allez parler de quoi? La télévision que vous ne regardez pas le même programme. Vous n'avez pas les mêmes joueurs, vous n'avez pas les mêmes intérêts, vous n'avez pas les mêmes couleurs. Bref, il n'y a rien qui vous unit, quoi. Vous allez discuter de quoi? Il est très facile pour ceux qui suivent les matchs de regarder les matchs. Si moi j'aime Barcelone ou vous aimez Real, au moins on a une discussion. Je dirais Messi, tu diras Cristiano Ronaldo. Je dirais Piqué, tu diras Ramos. On aura quand même un temps de discussion. On pourra parler sur le football. Mais écoutez, moi j'aime le football. Toi tu n'aimes pas le football du tout. J'aime les émissions politiques. Toi tu n'aimes pas les émissions politiques. Moi j'aime les émissions religieuses. Toi tu n'aimes pas les émissions religieuses. On va parler de quoi? Vous allez voir qu'à chaque fois que vous mettez une discussion, ça capote. Et vous allez dans les attaques personnelles. Yo magamono penza, namo namo ka bongo bongo. Yo pona nemite lo ngondulu kaka awa. Toi vraiment, je ne sais pas ce que tu cherches là-bas. Est-ce que vous vous mettez ensemble? Non, au contraire, vous vous éloignez. Cher frère, le plus important ce n'est pas que tu aies quelqu'un dans ta vie. Le plus important c'est que tu trouves la bonne personne dans ta vie. Ne soyez pas dans le remplissage. Il faut qu'on sache que j'ai quelqu'un dans la vie. Ce n'est pas le plus important. Vaut mieux que tu sois seul. Que tu sois très mal accompagné. La personne avec qui tu vis aujourd'hui, est-ce que c'est une bonne personne? Commence d'abord par voir les conversations que vous avez tous les jours. Est-ce que quand vous discutez, est-ce que ça t'arrive de sourire? Parce que la bonne personne dans ta vie te fait sourire même quand tu es fâché. La bonne personne dans ta vie, tu peux la voir même quand les yeux sont fermés. Tu peux la dessiner même quand les yeux sont fermés. La bonne personne dans ta vie, tu peux aller la voir même quand il pleut, même quand tu as l'embouteillage, même la nuit, même le matin. La bonne personne, tu n'as pas de raison pour la voir. La bonne personne, tu as tout de suite envie de lui raconter ce qui s'est passé le matin. La bonne personne, c'est que quand il ne t'appelle pas la journée, tu as comme l'impression qu'il y a quelque chose qui manque. Tu as besoin de le rencontrer. Et la bonne personne, tu as comme l'impression, quand il te donne beaucoup plus de cadeaux, ça commence à t'étouffer. La bonne personne est celui qui te dit, et celle qui te dit, on va aller en boîte, on va aller dépenser 15 000 dollars ou 10 000 dollars ou 1000 dollars ou 200 dollars. Tu lui dis non. Voilà que chez toi, j'ai vu que tu n'as pas de chaise. Au lieu d'aller dilapider de l'argent là-bas, achète les chaises chez toi. La bonne personne est celui qui dit à sa femme, ma chérie, j'ai vu que tu as une belle robe, mais je veux que tu en aies encore 2 ou 3. Je t'aide à acheter une robe. La bonne personne est la personne qui te dit, ma soeur, tu as fait des études, mais tu t'es arrêté à une école primaire ou tu t'es arrêté dans l'humanité. Je veux que tu ailles plus loin. Si tu n'as pas de moyens, je peux t'aider. Voilà la bonne personne. La bonne personne dans ta vie n'est pas une personne qui est jalouse de toi. Nous avons vu des hommes qui sont jaloux des femmes. Il ne veut pas que sa femme prospère. Il ne veut pas que sa femme aille plus, aille de l'avant. Quand sa femme était en train de travailler, l'homme critique sa femme avec des critiques vraiment acerbes. Il dit, mais Michel Abina, papa, m'a les foutre à la communauté. On ne travaille pas que pour gagner de l'argent. On travaille pour s'épanouir d'abord. On travaille pour faire un réseau. Mais maintenant, quand ta femme critique généralement ton travail, le mari critique ton travail, il a peur de ton groupe, de ton groupe social, comment voulez-vous que ce soit une bonne personne pour vous? La bonne personne n'insulte pas ta famille. La bonne personne, quand tu as un problème, il n'insulte pas, elle n'insulte pas ta famille. Mais voyez-vous déjà aujourd'hui, une petite discussion, tu es mal éduqué, quoi. Je ne sais pas comment ton père t'a éduqué. Je ne sais pas où tu as pris de ces choses. C'est certainement chez ta mère. Non,
La bonne personne a des limites. La bonne personne ne te fait pas pleurer. Mais la bonne personne non plus ne te flatte pas. La bonne personne est celle qui te dit, ma chérie, ici tu as tort. Mon amour, ici tu as tort. Vous savez, mes frères, quand vous avez une bonne fiancée, c'est la fiancée à qui tu racontes tout. Tu dis, mon amour, voilà ce qui s'est passé au boulot. Voilà ce que moi j'avais dit. Et elle te regarde dans les yeux, elle te dit, mon amour, je t'aime beaucoup, mais là tu as tort. La bonne personne est la personne qui finalement engloutit ton orgueil, qui te dit, mon amour, tu es orgueilleux, ce n'est pas bien. Mon amour, il faut éviter de dire le je. Il faut aller un peu plus loin dans le nous. La bonne personne, c'est que quand elle entre dans ta vie, tu as comme l'impression que ta vie change. Tu as comme l'impression qu'elle t'apporte un bonheur, elle t'apporte un sourire, elle t'apporte un plaisir. Quand tu es dépaysé, tu es embarrassé, elle est là à côté de toi pour te dire, mon amour, j'ai confiance en toi, tu vas réussir, ça arrivera, ça marchera. C'est ça la bonne personne. Mais que nos relations d'aujourd'hui, trop sexuelles et trop financières. Les hommes sont devenus des banques, les femmes sont devenues des pots de sexe. On ne comprend plus rien. On a fait une sorte d'échange. Les hommes cherchent le corps, les femmes cherchent l'argent. Et c'est bête. Des gens comme ça prétendent avoir de l'amour, prétendent aimer les gens. Comment tu peux dire que quelqu'un, c'est la bonne personne, cette personne qui ne se soucie même pas de toi, qui ne t'appelle pas, c'est toi qui l'appelle toutes les fois. Toutes les fois où vous êtes rencontrés, c'est toujours lui qui appelle. Ou c'est toujours toi qui appelle. Attendez deux secondes, ce n'est pas la bonne personne de ta vie. Cette personne qui s'en fout de ce que tu es. Ola tamabe et taliété. Ose à la propre taliété. Que tu pries et taliété. Que tu ne pries pas et taliété. Écoutez, encore un élément. Les gens qui sont oui-ouistes, ce sont des mauvaises personnes. Non, ce n'est pas une bonne personne. La bonne personne dans ta vie a des principes, a des limites. Et il te donne ses limites aussi. Nous devons nous aider pour que nos limites ne soient pas brisées, mais qu'on les brise quand on voudra nous-mêmes les briser. Ça, c'est surtout sur le plan sexuel, où on a des sérieux problèmes. J'ai entendu des gens dire, si tu m'aimes vraiment, couche avec moi. Et les femmes, malheureusement, désarmées, elles disent, oui, je n'avais rien, je n'ai pas le choix, je vais coucher avec elle. Tantine, depuis quand la vie na yo, si on a mobile à l'ingio, à l'obana yo, tout botana nous avant, tout rebala na sima. Depuis quand on a voté quelqu'un sans poser l'urne, sans poser les bulletins dans l'urne? Depuis quand? Tu veux devenir président? Mais il faut qu'on nomme, qu'on vote pour toi. Il faut qu'on mette les bulletins dans l'urne. Moi, je pense humblement, celui qui t'aime te protège. Celui qui t'aime garde tes principes, garde tes valeurs. Tu ne vas pas sacrifier tes valeurs pour un homme. Tu ne sacrifies pas tes valeurs pour une femme. Tu es un homme, tu t'es décidé. Je ne couche pas avec les femmes jusque dans mon mariage. Tu t'es dit une décision louable. Moi, je t'applaudis. Je te dis bravo, continue dans cette logique. C'est une très bonne logique. Mais voilà, quand tu rencontres une femme qu'on appelle aujourd'hui à Kinshasa, les Oudjana, je ne sais pas moi comment, et cette femme-là veut t'imposer un rythme de vie. Elle veut t'imposer un rythme de vie. Elle te dit, non, moi, il faut faire l'amour. Si tu ne fais pas l'amour, je partirai. Et toi, tu dis, ok, on va voir, je le ferai. Non, ce n'est pas ça, ma soeur. Ce n'est pas ça, mon frère. Tu peux garder tes principes tout en aimant quelqu'un. La personne qui t'aime respecte tes principes. Il ne le brise pas. Mais il t'aide à comprendre qu'au-delà de ses principes, il y a une vie. Et ensemble, vous vous mettez et vous trouvez une solution. Un moyen pour contourner les choses. Mais quelqu'un qui t'aime ne t'oblige pas de faire ce qu'il veut. Quelqu'un qui t'aime, quand tu es avec lui, tu ne te sens pas moins intelligente. Non, tu te sens par contre quelqu'un de très épanoui. Il faudrait par un moment donné, au vendu yomoko nandaku, au vendu yomoko nandaku, au vendu yomoko nandaku, au vendu yomoko simbi, et ça pour moi si nangaye, et ça pour copine nanga nazaranaye, et ça pour maman yabana nanga, et ça pour nabo, et ça pour nabo. Vous devez apprendre des choses et pas partenaire nayo. Tu peux apprendre le français. Et pas partenaire d'ailleurs. Ce n'est pas un problème. Que des gens qui ont du mal à se retenir, à accepter les offres des autres. Je peux avoir écrit français, mais la communauté m'a la moutée parce que le français, ce n'est pas notre langue, d'accord? Mais ma copine a beaucoup étudié. Elle a étudié dans les bonnes conditions. Qu'est-ce qui m'empêche de l'appeler? Chérie, je vais envoyer un message à un chef, mais de façon, la communauté m'a la moutée. Est-ce que tu peux corriger ce texte et tu l'envoies? La personne qui t'aime, la personne qui t'aime va t'aider sans te juger. Il ne dira pas autant qu'il n'est ni non. Il pensera pas qu'il est supérieur à toi. Au contraire, la personne qui t'aime te donne l'amour. La personne qui t'aime te protège. La personne qui t'aime, la bonne personne, son épaule est toujours ouverte pour toi. La personne qui t'aime, tout le monde peut être contre toi, mais elle
sera toujours pour toi, sera toujours avec toi. Et même la bonne personne, c'est la personne que lorsqu'il y a un problème, il te donne le temps de parler, il t'écoute. Que ce fou quand même aujourd'hui, des gens qui prétendent s'aimer, mais qui ne s'accordent pas le temps lors des discussions. Comment tu peux me dire Kolinginga, mais Okinga la Sangwamabe, Okondanenga Mbalamoko, Olingi même pas Koyokangaï. On t'a dit comment trouver avec une femme, avec un homme. Mais laisse-moi le temps de t'expliquer. Écoute-moi aussi. Parce que si je t'aime, je dois te laisser parler et t'écouter et te pardonner à la fin. Est-ce la bonne personne, celui avec qui tu vis maintenant? Mouba lui a brutal, à bête à caillou à tout moment, besoin de ma fiancée. Attends, 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 et comme il n'a pas bali, et comment sera bali. Là, ce n'est pas encore arrivé parce qu'il a encore des limites, il ne t'a pas encore épousé. Mais ça arrivera le jour où il te mettra dans sa maison, il te battra. Des hommes qui ont du mal à t'insulter, c'est-à-dire, quand il te mettra dans sa maison, il t'insultera. Et vous devez finalement vous mettre des valeurs, vous mettre des limites. Il y a des choses que vous ne pouvez pas faire. Non, vous ne pouvez pas. Les mauvaises, enfin, je dirais, la bonne personne, quand elle est dans ta vie, elle ne cherche pas ses intérêts. La bonne personne évite les jeux. La bonne personne est dans le nous. La bonne personne parle en termes de projet d'avenir. Nikonanga, moi aussi. Nami, tu auras toujours question, mon corps. Tu vis avec un homme, ça fait 6 ans. Ça fait 8 ans. Tu ne connais même pas chez lui. Tu ne connais pas où il vit. Tu ne connais pas ce qu'il fait. Est-ce que c'est de l'amour? Je ne crois pas. Ça doit être autre chose. Ça peut être un investissement. Mais ce n'est pas de l'amour. Bengaye chérité, bengaye sponsor, bengaye mécène. Mais je ne pense pas que ça doit être un chéri ou une chérie. Comment tu ne connais pas chez ton petit ami? Comment tu ne connais pas comment ton petit ami gagne la vie? Salaire d'engaye à éviter. Où est le mal si ta femme connaît ton salaire? Où est le mal si elle connaît ton salaire? Est-ce que si elle connaît ton salaire, c'est qu'elle elle prend ça? Elle ne le prend pas. Mais connaître, ce n'est pas un problème. Parce que la personne qui t'aime, la personne avec qui tu dois vivre, doit savoir exactement comment vous allez combiner vos histoires. Comment vous allez discuter sur les finances. En dehors de l'adultère, en dehors de discussions inutiles, les finances sont, sont responsables des ruptures de plusieurs mariages. Allez-y en Europe. J'ai entendu des histoires en Europe. Alors les familles se disputent autour des enfants. Et des couples comme ça brisés. Des amours brisés que pour des questions d'argent. Que pour des questions d'argent. Que pour des questions d'intérêt. Aujourd'hui les gens sont très mal parce que l'homme veut dépenser son argent dans Nengenaye. La femme veut dépenser son argent dans Nengenaye. Mais s'ils s'entendaient, ils se mettaient ensemble pour dire voici le dépense. Parce que dans un couple, j'en parlerai un autre jour, un couple a des priorités en termes d'argent. Et si vous comprenez ces priorités-là, votre vie est tranquille. C'est pourquoi moi je dis toujours, le divorce, c'est une solution qui vient rapidement. Mais à côté du divorce, il y a plusieurs solutions pour revenir dans des là, il y a bien. Donc, la bonne personne dans ta vie, c'est cette personne qui te garde le sourire. Quand tu la regardes, tu penses à elle, tu souris. Moi par exemple, quand je regarde et que je pense à autre chose, ça me fait beaucoup rire. Et vous pouvez faire la même chose, n'est-ce pas? Si tu trouves la bonne personne, tu vas rire toute la vie. C'est pas que tu n'auras pas de problème, non. Tu auras des problèmes, des incompréhensions, ça manquera pas. Mais la personne là, quand tu la vois, à ce qui se noté, mondré aux seka, aux dos na digi digi mogoboy. C'est-à-dire tu fais tout pour voir. Bah tu mets le tout le monde à embouteillage, à regagner la roulage, et t'as tes capes embouteillage. Il a besoin de rencontrer sa femme. Il est tellement amoureux, il faut qu'il le rencontre. Et l'embouteillage le bloque de le voir. Est-ce que vous êtes si pressé de rencontrer votre femme quand vous rentrez du boulot, ou c'est un verre de bière que vous voulez voir quand vous rentrez du boulot? Je vois des mariés remplir le bois de nuit jusqu'à 23h. Je suis sorti une fois avec un marié. Jusqu'à minuit, on est ensemble. Je dis, mais moi, je suis célibataire, je suis même fatigué. Mais comment toi, tu n'es pas fatigué? Oh non, tu peux m'en aller. Oh, la ligne à noter. Oh, dans ta propre maison. À la ligne à noter, mon cher, tout l'examen du temps. Et à la gala, là, dans 30 minutes, à Golan. Et 30 minutes, le gars entre dans sa voiture, il rentre à la maison, il trouve sa femme endormie. Il dit, c'est la paix. 6h, il sort, comme c'est lui qui avait fait tourner le monde. 6h, il sort. Parce qu'il ne veut pas rencontrer sa femme. Vous avez vu, vous avez fait de votre maison un désordre total. Et de votre couple, un désordre total. Vous qui n'êtes pas encore marié, vous qui n'êtes pas encore fiancé, je vous souhaite de briser toutes les fiançailles si c'est possible. Si ça ne marche pas, brisez. Mais ne brisez pas un mariage. Maintenant, vous pouvez tout arrêter et recommencer à zéro. C'est possible. Si la personne, Ozanaye, a le bisako mingi, tu parles beaucoup devant Moutou. Vous avez répété la même chose plusieurs fois. Arrête cette relation, papa. Oh, koufate, bah, okango pété.
tika relation wana bandi la relation à sika qu'on reconstruit sur de nouvelles bases sinon bah la kana misu moko c'est toi qui pleureras quand tout le monde sera en train de rire c'est toi le seul en train de pleurer au monde basse baninga bien oyomabe parce que tu as fait les mauvais choix ne soyez pas beau casualité que non dans l'église parce qu'il va y église c'est quoi mes frères c'est quoi même l'église Félix vous avez quoi dit quelque chose de très important ngamu tongova nanaye bon bal sanga na makasi ne faites pas des choses parce que les gens vous avez déjà vu vous avez déjà connu en famille vous pouvez briser ça maintenant quand il n'est pas encore trop tard si vous ne vous entendez pas faites-le vous allez être bien mais si vous pouvez soigner ça soignez la bonne personne posez-vous des questions mais au-delà de tout est-ce que vous-même vous êtes cette bonne personne l'amour est en Dieu Dieu est amour paix dans le monde au mon forti c'est lui qui a au mon forti c'est lui qui a Ma Mission TV, le miroir du monde.